Et là les amis, nous sommes de retour dans Street of Rage 4 pour continuer notre histoire avec Blaze. Hein. On avait fait le début, donc jusqu'on s'est arrêté au niveau 9. C'est avec Blaze. Alors on a débloqué déjà les vieux personnages de Street of Rage 1. Pour l'instant on ne s'intéresse pas à ça, on va faire d'abord tous les personnages normaux. Donc la prochaine fois ce sera Chéri, après Blaze, Floy et enfin Ada. Allez c'est parti. Ah je dois admettre que c'est une vraie réussite ce jeu, d'ailleurs si pareil les tests ça a donné la même chose. Hein. Apparemment ça a été bien noté par les différents trucs comme quoi voilà c'est une réussite et c'est vrai que je trouve qu'ils ont fait vraiment bien. Voilà, avec sûrement un budget relativement très petit, je trouve que c'est une belle réussite. Des trois développeurs, des trois sociétés qui ont développé le jeu clairement et se sont bien débrouillés. Comme quoi l'union ça fait bien la force. Ah. Donc à partir de là les niveaux sont plus durs, notamment celui-là il m'avait bien embêté. En plus je suis pas forcément dedans. Bon, je recommence vraiment maintenant. Mais on verra, hein, on verra, on verra. Hein. En tout cas c'est bien que je ne suis pas obligé de faire tout d'une traite. C'est seulement le mode arcade qu'on doit faire d'une traite. Donc on verra ça. Hein. Par la suite, hein, je vaut mieux faire le jeu en mode histoire. Au début, s'améliorer et faire l'arcade à la fin, quoi. Hein. Quand on sait bien jouer, quoi, parce que sinon, c'est... C'est cher Kevin. Lui, c'est pas Kevin, je crois que c'est... Voilà, c'est Francis, hein. Et des Kevin et des Francis. Alors, je vais essayer de garder la forme un petit peu. Puis là, à mon énergie, elle est pas trop mal. En eux aussi, ils glissent, hein, c'est assez relique. Hein. Voilà, tu es là. Enfin, on a battu. Hein. Ah ben, j'avoue. Hey, me tape hors cul. Bon art et vilain. Voilà, on a battu Francis. Alors ce qui m'embêtait dans ce niveau, c'était effectivement déjà les bonhommes là, les Kung Fu Man là. Cher Kung Fu Man, qui était assez embêtant. Et après, bien sûr, alors le truc, c'est qu'il fallait les prendre. Wow. En plus, ils abîment beaucoup. Alors, le truc que j'avais trouvé, c'était en les prenant, ça leur fait pas mal de dégâts. Et ça évite que. Ah, même ça, elle bloque. Ouais, ouais, il faut les prendre. Ça, c'était le bon truc. Ah, il faut les prendre, il faut les choper. C'est le meilleur moyen de. Ouais, c'est l'autre, il le sauve là, le Thaïman là, le Thaïlandais à la gomme là. Oh, Kung Fu Thaïlandais là. Ah, oh, ça fait deux fois qu'il y a un. C'est chiant là, les Kung Fu. Alors ce que je viens de penser, que je regrette un peu, c'est qu'ils ont plus les bonhommes avec, qui balançaient le feu là ou les objets là et ils jonglaient dans le tout premier et ça ils ont pas mis du tout loin. Et attends, je l'ai balancé, ça lui a rien fait, il est retombé sur ses pattes. Ou alors je vais halluciner. S'ils n'arrêtent pas de changer. Ouais, je vois pas sa barre de vie parce que sa barre d'énergie parce que
Voilà. Bon, ça marche relativement bien. C'est de l'échauffer. Hein. J'ai trouvé un truc voilà, pour avancer plus facilement. Bon. Après, on verra combien de temps je mets pour finir cette fois-ci. Ah, il y a les vilains. C'est pas ceux-là qui vont être du coup les plus embêtants. Allez, tu vas te prendre ta raclée, Silver. Ok, alors là, on a même un truc, on a vraiment pas besoin, comme quoi je me débrouille de mieux en mieux. Pas que ce niveau reste difficile pour le moment. Tant que j'ai pas encore assez de. De touche c'est pas mal hein, parce que du coup je me suis fait vraiment chier à fond en tout cas plus vite. Ah purée il y a ah c'est bon truc quand je les chope et comme ça marche hein. Vous pouvez les trouver comme ça. Ça marche impeccable. C'est un peu bête, mais bon, voilà, si on veut garder un maximum d'énergie, il faut éviter de les frapper parce qu'ils contre-attaquent. Comme ça, quand on les chope, ça les... Enfin, c'est vraiment les plaquer. Éviter de les frapper, même en les ayant attrapés. Il faut vraiment... ça fait plein de dégâts hein, quand même le fait de les attraper. Non là c'est grave embêtant. Non ah oh, pute. Alors là, je joue mal. Voilà. Oh, c'est dommage. Je m'en doutais un peu que j'allais nouveau perdre. Ça va être trop chaud pour... Ah, en plus, il y en a un troisième, quoi. Pas frapper les deux en même temps quoi. Voilà. Donc maintenant il y a à nouveau le fameux Max, hein, je crois qu'il s'appelle Max, personnage du 2, qui est enragé. Direct. Ouais, fallait que je me mette. Ah,
Oh purée, il m'a enlevé tellement. Ah, c'est chaud. Parce que là, j'ai... Oh, j'ai pas d'étoile. Pas d'étoile en plus, quoi. Ah, ça me touche n'importe comment. Ah. Ah. J'étais presque, hein, mais pas encore. Putain. Voilà, j'ai réussi déjà. Premier coup. Waouh, ça se voit que j'arrive déjà mieux qu'en mode découverte avec Axel. Moi, le truc du niveau, faut déjà de base, il fallait comprendre que avec les Kung Fu Man là. Putain, les 5 millions, je suis loin de les avoir. Hein. Et pour débloquer les 4 personnages, il faut aller tellement loin. Max, tu vas bien? Cette musique, je ne pouvais plus me contrôler. Je ne voulais pas. Bande de sale, ta ta ta. C'est qui celle-là? Ne me provoquez pas, je suis Madame Y. Fille du grand monsieur X, héritière de son empire, je suis votre reine, sale vermine. Mais bien sûr, vous allez m'obéir. Active la machine, frérot. Ah, ta ta ta. Quoi? Tu n'as pas le droit. La police est à mes ordres, tu vas m'obéir. C'est fini tout ça. J'ai vu ce dont vous êtes capable avec votre frère. Au nom de Woodhawk City, vous êtes en état d'arrestation. Serait, il est temps de partir, on a un concert. Peu importe, bientôt vous me mangerez dans les creux de la main. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Mimi! Son nom va être diffusé dans toute la ville et compte utiliser sa visite pour réduire tout le monde en esclavage. Vite, il faut les arrêter. Ah, il y en a deux maintenant qui me... Faut faire avec les deux nouvelles. Là, je joue mal, hein. Oh là là. Ok, mais je peux même pas se mettre là, hein. Ça c'est avec le bonhomme que je réussis quand même à battre assez facilement. On va voir si on arrive de nouveau parce que c'est... Oh, bah, c'est pas si simple hein. Non plus. Hein. Enfin aucun des niveaux là à la fin ça semblait beaucoup plus dur, surtout le dernier où j'avais plus manqué de temps la dernière fois. Là je devais avoir plus de temps pour essayer de le faire correctement. Enfin, ça dépend du temps après si j'ai pas le choix, je fais baisser mon score et puis c'est tout. Thank you.
Ah bah là j'ai déjà eu. Ah putain. Ah c'était pas mal là, là où vous allez. Ah elle m'a frappé. Elle a pas essayé de balancer des trucs, elle m'a frappé. Oh si je peux balancer. Ça j'ai toujours eu horreur déjà dans le premier. Enfin c'est bien et juste mais... Putain, à chaque fois que pour arriver bon j'ai eu le gars qui m'embêtait le plus s'est battu. Non mais il me blesse lui hein, finalement il... Putain mais c'est pas vrai quoi. Ah ouais là en bas. Avec la boule. Ça c'était bien une belle nouveauté que j'ai bien aimé. Y'a rien à dire. D'ailleurs des fois c'est arrangeant la boule parce qu'il fait dessus en feu. Ah. Excellent ça. C'est vraiment bien avec aussi sympathique. Je dis quoi là? J'ai touché l'hier. Pour l'instant ça va. Wow.
Aïe aïe aïe. Je suis un bâton de ta protection. Qu'est-ce qui se fait? Aïe aïe aïe, ça marche. Ah, la peine de vous les alcooliques, l'enfoiré. Ah, je l'ai pas fini. Ah, maintenant je me suis déjà amélioré, hein. Quand même, hein, j'arrive mieux que la première fois. Ok, on a bientôt fini Blaze. Hein. Donc, le dernier niveau, ça va être nouveau quelque chose. Hein. J'ai gardé 2 étoiles. 14 000 points, c'est... Oh là là, faut débloquer le prochain personnage. L'avion déjà. Ok, là c'est là où il faut les balancer dehors, les... Ouais, pareil, à faire. Ah, c'est moi qui a été balancé. Oh, 2 fois je me fais avoir. Allez, oup, dehors. Dehors. Ah, il a sauté tout seul. Ah, oh, putain. Saute. Oh, trop tard. Wow. Voilà, ça va pour le moment. Le boss de fin est pas trop dur, le mystère Y. C'est séparé qui sont vachement costauds. Ah ouais, ça, oh là là, ça c'est un truc. Hein.
Ah, purée. Ils ont de l'énergie en plus, ça, la grande. Hein. Voilà, on vient utiliser cet objet pour pouvoir casser. Ils ont pas mal d'énergie à chaque fois. Notre lag sont pris à l'hiver. Ok, dead. Ah, c'est trop tard, il a bloqué. Elle s'est trucutée elle-même. Ah, regarde ça. Voilà, Anne est enlevée. Alors, le Taser, c'est un des trucs qui nous permet de revenir dans les mondes rétro, il faut le savoir, hein, parce que moi, je n'avais pas compris. Oh, j'ai oublié que ça fait boum, tout ça. Je ne le savais pas. Et c'est bon à savoir, ça. Wow, wow. D'accord. Boum. Boum. Putain, t'as mis du temps. J'attendais que ça me casse les putains de... Ah, le temps j'en frappe pas que je... C'est déjà trop tard. Ok, on a détruit les deux trucs, mais... C'est clair. Elle est vraiment la garder la grenade. T'as un peu respiré, il y a quelque chose ou... d'intéressant ou pas, parce que... Non. Nulle part, ils ont donné quelque chose d'intéressant, vous avez déjà. Allez, il est... Alors, je sais qu'il y a quelque chose derrière la fin, vous allez l'expliquer derrière la fin. Ça fait, c'est embêtant. Mais plus pour moins longtemps. Ça me donnait ta raclée. Comme à tout le monde. Derrière, il y a quelque chose, je sais plus c'est quoi exactement. Je sais plus qu'il y a quelque chose. Donc, le Kiyakuti, on va le chercher. Le Iron. Je
pas remarqué qu'il y avait quelque chose. J'ai récupéré quelque chose, mais c'est pas de l'énergie. C'est pas de l'énergie. Là, il y en a un petit peu. Ça nous permet d'avoir le point sur le moment. Ah d'accord, je me suis électrocuté par autre chose. J'ai presque battu une. Oui, il est éliminé, après déjà. Ah hier, je crois que vous allez attraper. Non, t'as fait ça, lui, il y a la pique. Hein, c'est tout seul, je crois pas. Résister trop longtemps. C'est ma frère qui est battu. Voilà. Salut, Mystère Y. Donner ta raclée, enfin ta première raclée. T'as mieux ta raclée. Tu vas là-bas. Je vais pas trop rire parce que... Oh, nice. C'est moi, je vais t'avoir. Wow. Ah. Wow. Bientôt savoir même si j'ai perdu une vie. Ah carrément, les grenades puissent encore le lance-roquette la kilo. Ah il y a encore un petit effort. Je vais encore pas rater. Tu vas là-bas. Ah c'est dommage d'avoir perdu une vie là un tout petit peu près. Bon du coup voilà, maintenant j'arrive assez bien, il n'y a plus que le dernier stage qui est effectivement assez long, enfin qui est assez... qui est plus compliqué. Ah j'ai toujours pas un nouveau personnage. Putain n'empêche quand il demande 5 minutes il faut y aller quoi. Vous ne savez pas quand abandonner vous, toi aussi hein. C'est fini gamin, rends-toi. Ah ouais. J'ai préféré vous retrouver en enfer plutôt que capituler. Il Y. Ah, là c'est nouveau le truc où il faut pas se faire toucher au départ.
Et voilà. On a joué. Ah ouais, mais avec ça, le fameux couteau, c'est quelque chose ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait pas faire ça. Ça n'allait pas tuer l'autre. À le faire. Ah, c'est elle qui m'a eu. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Putain, flûte. Là, c'est vraiment mal parti avec toutes les erreurs. Qui m'a chopé en haut lieu que moi, je pensais que je l'avais. Mince alors. Ouais, ce niveau là hein, c'est autre chose hein. Voilà, bon, on va essayer de débloquer le trophée là avec lui. Enfin, on va pas essayer, on va le faire. Là, en haut, il y a lui. Oh non, c'est pas ça que je... Oh, bah, c'est déjà loupé. Hein. Bon, de toute manière, on va recommencer. Je voulais faire autre chose. Bon, c'est pas grave. On sera... on va devoir recommencer parce que je n'arrive pas au bout de ça, par exemple. Quoi. Comme... j'ai perdu tellement. Rien à vous. Voilà, là finalement je l'ai fait. Le truc du russe très fait. Bon, c'est pas un trophée difficile à faire, même si on peut le manquer. Ah, il m'a tué comme ça le con. Bon, fin du jeu. Non, non, bon, c'est pas fin du jeu, fin du jeu. Alors, pas besoin d'aide pour l'instant, on va encore le temps de... Voilà. Y, vous pouvez passer.
on va essayer encore, vu qu'on est allé très rapidement, finalement, on peut dire qu'on peut essayer quelquefois sans aide, et puis bon, après, si on utilise de l'aide ou pas. Là, au début, c'est super important de pas se faire toucher, c'est trop tard. Deux fois que... Ah! J'ai horreur de ça! Et j'ai déjà mort de nouveau. Foiré, quoi. C'est dommage, hein, on est tellement proche après du poulet, quoi. Le poulet, je crois qu'il est tout proche. Voilà, d'abord on rencontre et les autres. Ah ouais, c'est quand même un peu plus loin. Ouais. Ouais, il est là, le poulet. Pas qu'il vienne trop loin, parce que sinon je vais en avoir trop en même temps. On ne peut plus utiliser la pomme. Ah mince, c'était le... Oh, c'était justement ça le... Ouais, ça fait deux fois que je joue comme un pied. Ah, je vois encore un pied. Hein. Ok. Ah, j'arrive même plus à reprendre la pomme. Ok. On ne peut plus la prendre. Ok. Waouh. J'espère que j'étais pas dans la même ligne, quoi. Bah si, pour eux. En plus, ils ont aussi une aura de protection. Alors là, j'ai battu mon record de nullité complètement. Ah oui, clairement, je ne veux pas rentrer dans le château. Ok. Ok, ok. Je n'aimais pas rentrer dans la forteresse. Allez, c'est parti. Là, on va aller passer. Donc là, on va voir un peu, on verra. Ah, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Hein. Ok, j'ai réussi à trouver
Putain, elle se fait vachement solide, hein. J'aime pas ça. Allez, hop. Comment j'ai fait ça? Alors, on a des coups, mais je sais pas comment on les fait. Ils les expliquent pas, les coups spéciaux dans l'indoc. C'est assez emmerdant. Et il y a clairement des coups spéciaux. Hein. Ça a bientôt fini de propulser. Je sais pas où, ça là aussi de... Allez, viens. Elle descend, elle est pas forcément droite. Je pense pas forcément... Ok, c'est là, c'est là. Je pense que ça change rien. Ouais, bien sûr, je la voyais même pas, quoi. Ouais, ça fait deux fois quand même. En plus. Oui, bien sûr, c'est elle qui me prend. Putain. C'est incroyable, ça. Ok, là c'est déjà une partie bien meilleure. Hein. Avant, merci. C'est pas parfait. Oh, maintenant ça se corse. Ouais, bien sûr. Ah, bah je me suis pris en pleine figure. En pleine figure. Presque tué en forêt. Et j'ai survécu pendant un coton. Ça va pas. Servir des listes, c'est bien ça, en fait, hein, pour les tuer. Mais qu'est-ce qu'elle... Au lieu de lui balancer le liste, l'épée, elle a fait n'importe quoi. Thank you.
suis encore sorti là. Ah mais là j'arrive pas. Ah oui, il me tombe dessus direct moi. Putain mais ça fait deux fois que tu veux. Tu es le con, enfoiré. Ça te déraille là. L'énergie qu'ils ont est quand même au bout. En un coup quoi. J'ai été interrompu en plein dans le. Ok. Ok, ok. Ouais, mais à ce niveau-là, je pense que. Faudrait un moment avant que j'arrive à le faire sans utiliser le S. C'est dommage, il y a un poulet juste ici. Ok. Je vais plus sauvegarder. On est rebelote les shuriken man. Les flics shuriken, c'est trop bizarre ça. Y'a pas d'autre. Elle donne plein de choses, mais ça sert plus à rien, quoi. Voilà notre défi. Ouais, elle tout seul ça va. Oh. Oh. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai donné ta raclée, hein.
Ouais, la fin ça sent quand même chaud avec deux vies. Enfin, on verra bien. Wow. On va pas manger plein, hein, la figure. Voilà. T'avais prévu. C'est moi que j'arrive encore à gagner une vie à la fin. Ça m'assurait la victoire. J'ai qu'une seule étoile encore. Je crois que je peux en gagner. Là on a une pomme. Je sais pas si je peux la conserver. Non, je peux pas la conserver bien sûr. Ça prend bien. Ah purée, je pouvais pas sauter, j'avais trop appuyé. Ça va arriver les... Waouh. Là ils appellent leur robot. Sérieux, de nous commencer. Hein. Bon, vas-y pour. Putain, je vais pas réussir à l'approcher quoi. Je pense que j'ai réussi. C'est pas 600 utilisés. Mais hein, on verra. Ah, putain. Et là, ils sont en train de mal. Je parlais trop vite. Hein. Là, ils ont vachement repris l'avantage. Moi, j'ai encore 2 étoiles ici. Mais je vais essayer de garder les étoiles en plus. Je vais rajouter, mais on sait jamais. Hein. Moi, que je suis à la fin, je vais essayer. J'en ai battu un des deux et ensuite ça ira. Oh. C'est chaud. Ah oh. Ouais non là je vais pas y arriver si ça continue. Putain c'est pas vrai quoi. Là déjà ils ont su commencer. Mais c'est incroyable. Ah, oh, dire que j'étais prête.
Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, hein. J'étais pas assez fort, hein. En tout cas, je me suis bien débrouillé, quand même. Mais bon, c'est chaud, quand même, hein. Allez, on essaye encore. J'ai essayé encore un peu, mais bon... Je sais pas... C'est quand même costaud, hein, d'arriver à faire ce truc, hein. Ouais, j'ai réussi à récupérer. Ah! Lâche-moi ce couteau, toi. Bon. Gagné, hein. Ah, elle a réussi jusqu'au bout. Hein. Ah, je me débrouille mieux, mais quand même, hein. Ah, c'est quand il se relève, il fait ce coup-là, ok. Ah, j'oublie, quand il se lève, il fait le coup de genou. Ah là là, faut que je retienne ça, parce que je perdrais moins d'énergie si je faisais pas ces genres d'erreurs. Thank you.
zap. Voilà. Et il a cassé le... Purée, ça fait deux fois qu'il m'a... Aïe aïe aïe, il n'arrête pas lui. On va le mettre. Putain, putain. Là. Encore, Ah, foulé. Ok, ça c'est un bon truc, mais... pas encore besoin pour le moment. Là, c'est là où il tombe. Le... Ah, il a tout sauté deux fois. Oh, oui. Bien sûr, purée, c'est pas possible, ils m'ont empêché par le poulet. Ah, c'est trop tard. Ah, c'est une mauvaise partie pour arriver. Je vois pas comment j'y arriverai. C'est dommage quoi. Si j'avais pu prendre le poulet, j'aurais une vie supplémentaire, ça aurait tout changé quoi. Ça se joue de peu en plus. Un tout petit peu près, comme ça il est toujours pas d'accord. Voilà. Toi il reste quasiment plus rien. Ah, il a fait direct, toi. Bien joué. Ouais. Il m'a eu vraiment bien. J'arrive pas, hein. J'ai pas réussi avant, alors pourquoi j'arrive à maintenant. Il faudrait 3, il faudrait une de plus pour y arriver.
Oh. Wow! Il va se calmer! Ah bah dis donc, là, elle est bouillie cette fois-ci. Tac. Ouais, bien vu. Voilà, on a pas réussi à lâcher. Voilà. Voilà, encore un coup. Tu vas l'avoir ta raquette, t'en fais pas. Ok, on retente la partie dans 7000. Je vais vraiment avoir 7000 points avant que... Aïe aïe aïe. Ah, ouais. Qu'est-ce que... Ah, elle est déjà en train de... C'est lui qui y va aussi. Je pense que c'est lui qui l'a battu. Putain, direct hein. Thank you.
Aïe 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 hein. Ça me fait plusieurs fois de suite. J'ai pas encore compris ces mouvements pour le moment. Cet enfoiré de robot. Elle m'a encore tué. Voilà, j'ai même pas à tuer l'autre, tout ça. Alors moi j'arrivais à. J'arriverai à la base. Oh putain, il y en a marre de ça. Putain, mais... Purée, t'as fini quoi avec tes mouvements, enfoiré. Ah, c'est un seul qui fait en même temps. Ah, je crois que j'ai compris quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils vont pas me faire ce coup-là. Ouais, j'ai réussi. Yes. Voilà, j'ai pas utilisé de crédit, je l'ai fait. Bon, je commence à avoir quelques points sur la machine, mais pas encore. Il y a des moyens d'éviter complètement, hein, ça se voit. Mais il faut bien connaître sur le moment. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais je suis content, j'ai réussi à le faire sans utiliser de code comme la dernière fois. Donc voilà, on a fini avec Blaze. La prochaine fois, ce sera donc le nouveau personnage, Sherry. Donc la fille de Adam. Et Adam, je le ferai en cinquième. Après, pour les anciens Street of Rage, je sais pas qui je vais jouer vraiment. Enfin, le 2, il y a presque sûr que je prends le skateboard, donc le frère d'Adam. Et dans le 3, c'est sûrement le... Comment il s'appelle, le docteur Zach, hein, ou je sais plus son nom, le dieu. J'aimais bien jouer avec lui dans le 3. Et pour clairement le 1, je sais pas, hein, parce qu'importe le personnage, on en a joué avec tous les 3 personnages. On aura joué avec les 3 personnages déjà dans le jeu de base, dans le 4. Donc qui je vais prendre? J'avais l'habitude de jouer surtout avec Axel, mais est-ce que je vais le faire avec Axel? Je sais pas. Je peux prendre n'importe quel des personnages pour le 1, on verra. Hein. Pour le moment, tiens, il y a les noms des stages, stage 1, The Street. Ah oui, il y avait des noms, stage 2, Police, Pricing, stage 3, Cargo Ship. Ah oui, c'était montré dans le jeu, All Fear, d'accord, Underground, le souterrain, le Chinatown, The Set, The Sky Train, le train du ciel, genre, Galerie d'art 8, 9, la tour Y, donc au concert le 10. 11, donc l'avion et l'île Y pour le 12, IDs, main composé et produit par SRY, tac, next. Enfin bon, les voix. Bon, moi je trouve c'est une belle réussite le jeu. Axel, Bash, Sherry, Floyd, Adam, Shiva, Estelle, Diva, Barbon, Ennemi. D'accord, il y a plein de gens. Moi je trouve le jeu c'est sympa, ça va m'amuser de faire les différents bonhommes, les différents personnages. Donc là on est déjà à 2.
Il y a, de toute manière, il faut un score de 5 millions hein, pour un des trophées. Donc, et en plus, si j'ai bien lu le score, dans le jeu, c'est expliqué que on n'accumule pas des points de score avec les personnages qui ne sont pas dans le jeu de base. Hein, c'est-à-dire dans Street of Rage 1, 2, 3, ça compte pas. Ni quand c'est en ligne. Hein. Ça, il faut le savoir. Dans tous ces cas-là, on n'a pas de points. Voilà, oups, c'est joué en ligne. Ouais, ça faudra que je fasse, c'est vite fait ce trophée. Comme on veut, vu autant, c'est joué dans d'un jeu de l'époque. Donc là, le truc, pour ceux que j'en ai compris, il faut en fait, là où il y a les bornes d'arcade, il faut les détruire avec le taser là, du flic. Et c'est comme ça qu'on va dans les anciens niveaux de l'époque où on peut jouer avec. Donc ça débloque comme au bon temps. Quelqu'un appelle la police, ça c'est tout bête, hein, sans doute, hein, c'est quand on prend un des personnages du 1 et qu'on appelle la police. Trop fastoche, ça semble quand même assez compliqué. Terminer un niveau en difficulté mania, c'est-à-dire le niveau de difficulté le plus dur. Maîtrise du niveau, obtenir le rang S dans n'importe quel niveau, ça c'est pas aussi facile au départ. Hein. Donc là on vient de faire mission accomplie Blaze, hein. Terminer le mode histoire à un joueur avec Blaze. Donc ça c'est ce que je viens de faire. Mettre des combos, effectuer un combo phénoménal. Vas-y pour le faire celui-là. Hein. Mission accomplie Adam, ça ce sera pas un souci. Mission accomplie Floyd, mission accomplie Chérie, tout ça ce sont pas des difficultés. Alors moi je vais faire Chérie. On dirait qu'il n'y a personne qui fait Chérie parce que moi le premier c'est Axel, le second c'est Blaze, c'était évident. Après ils ont fait Adam la plupart des joueurs, donc avec 1,9%. Hein. 1,5% pour Chérie et 1,6% pour Floyd. Donc les gens préfèrent même Floyd à la Chérie. Parfait, ça semble compliqué comme trophée aussi. Terminer un niveau sans subir de dégâts. 1% on finit le jeu avec le Street of Rage 1. Réunion de famille, c'est-à-dire le poulet en or qu'il faut amener jusqu'à un entrepôt. 0,9%, il n'y a pas beaucoup. Donc 0,8% les 5 millions, bon, c'est clair qu'en 3 jours hein, ou 2 jours hein, que le jeu est sorti, il faut. Voilà, j'ai débloqué Blaze. Et après, forcément, accro au défi, faire le rang S avec difficile ou plus. Ah, j'ai débloqué un personnage, on va voir qui c'est. J'ai eu un C, c'est pas mal hein, pour la dernière partie. Et enfin, 100 yens, 0,5%, c'est-à-dire terminer le jeu en arcade en mode difficile ou plus. C'est toujours difficile ou plus qu'ils ont mis, c'est même pas le mode normal, ça promet quoi. Et après, forcément, mission accomplie, Street of Rage 3 et Street of Rage 2 en dernier, sur 0,4% à chaque fois. Ouais, qui j'ai débloqué? D'accord, c'est Max de Street of Rage 2. Oh, du tout, ils vont tous se débloquer au fur et à mesure. Meilleur score, X. Moi je suis maintenant à la position 8462, ben, c'est pas génial quoi. Record locaux 19783 et Axel j'ai moins. Ah non mais ça c'était la partie du. Ah non 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 c'est bien moi. Ah c'est dans cette partie elle-même, oui. Je vois. C'est niveau 12, ok. Record mondiaux, funibus avec. Putain mais il a combien lui? 3, 6, 9, ah ouais, d'accord. Il y en a qui ont tellement joué déjà. Une forcère d'arrêt d'univers. Et moi je suis tellement loin. Hein. Putain, la position 8462. Bon après je cherche pas à être le premier. Moi je suis content quand j'ai fait tous mes trophées. Tu vas m'enlever ce city. Alors. Désolé les amis, j'ai un nouveau city qui s'est affiché. Non ça se voit pas la capture parce que j'ai marqué mais bon. Voilà, donc on a fini. Alors j'ai eu quelques découpes là à cause de ça sur mon logiciel de capture. Donc on a fini en C. Donc la prochaine fois, comme dit, ce sera Sherry, puis Floyd et enfin Adam pour les personnages de base. Là on a le choix du niveau. Ça c'est sympa, on peut voir les notes qu'on a. Donc maintenant j'ai partout C, j'ai plus de D, nulle part. Tiens, c'est marrant. J'ai un seul B, ça se voit que je m'améliore. Par contre, il faut des S partout en mode difficile ou plus. Hein. C'est vraiment, ça promet quoi. Il y a très difficile et mania. Et il y a pas de mode facile. Si, il y a un mode facile. Il y a un mode facile, normal, difficile, très difficile et mania. Ok. Ok. Alors, moi, je suis déjà content. J'ai un B dans Ruelle. Yeah!
C'est sûrement celui-là que j'aurai à S, je suppose. Quand j'aurai bien compris le jeu. Arcade, combat de boss, duel, jouer en ligne, technique de combat, extra, option. Je sais pas si j'ai débloqué des choses que j'avais pas encore, non? Fiche de personnage, galerie en haut, non, je crois qu'il donne rien de plus, ça, on n'avait rien à dire de plus, donc du coup. Juste que là, si on met bien dans histoire, donc dans ma partie, nouvelle partie, normale. Voilà, il y a Max qui s'est débloqué là. Max. Il y a Max, Axel de Street of Rage 1 et Blaze et Adam. Voilà. Donc on va continuer pour débloquer les 4 personnages du Street of Rage 2. On va après passer au Street of Rage 3. Donc il y a Sherry. Mais Street of Rage 2, il y a 4 personnages que si je me rappelle bien. Parce qu'il y a de nouveau Axel et Blaze. Il y a le frangin d'Adam. Ça fait bien 4. Alors lui, c'est dommage que Max, il le débloque pas dans le truc, quoi. Ils ont pas voulu faire ça. Pourtant, ils l'ont dessiné, vu qu'on le combat. Et on n'a pas le droit d'y avoir accès dans cette nouvelle version, en fait. C'est un peu dommage. En tout cas, la prochaine fois, ce sera Sherry, Floyd et enfin Ada. Voilà, on s'arrête ici, les amis.